Yo les gens, c'est Super Solution. Et si je vais vous présenter une couleur secrète, partie 2. Alors, on va se rendre au Los Angeles Custom. Comme vous pouvez le voir, j'ai la même voiture que l'ancienne vidéo. C'est aussi, j'ai fait la vidéo directement. Enfin, quand j'avais fait la première vidéo, j'ai dit salut, bye bye. Après, j'ai. Après j'ai lancé celle-là. Bon, comme dans l'autre vidéo, on va mettre couleur de roue noire. Enfin voilà, alliage. Enfin, moi je mets noir. Je trouve ça plus simple. Et peinture, on va tout mettre à zéro. J'ai du fric, hein, non, je rigole. Les glitches d'argent ne fonctionnent jamais. Surtout, j'essaye de faire les glitches à la bourse, là. Enfin, les trucs à la bourse, ça marche pas trop. Mais si vous savez un peu comment ça marche, comment ça fonctionne, excusez-moi, bah, vous pouvez m'en faire part. Alors, cette couleur secrète va consister à faire un chrome avec une autre couleur. Mais attention, si vous utilisez le chrome normal, vous verrez pas la deuxième couleur. Enfin, vous verrez pas la couleur qu'il y a avec. C'est-à-dire que vous allez dans métaux et vous prenez le aluminium, ouais, le aluminium noir brossé. Tac. Puis vous retournez dans métaux, vous faites rond. Après, vous allez dans métallisé, vous faites rond. Vous retournez dans métallisé, vous faites rond. Après, comme d'hab, vous changez un truc de la voiture. Hop là. Attendez. Ah, d'accord. Après, bah, tout simplement, on retourne dans la peinture. Là, on va dans la craie. Et voilà. Et après, vous verrez, c'est comme du chrome. Mais soit vous pouvez mélanger la couleur que vous voulez. Alors, moi, je sais pas. Rose vif, hein, on va essayer. Vu que c'est un peu. Enfin, ça flash un peu le rose vif. Et là, justement, on va mettre un rose vif. Peut-être ici. D'abord, je vérifie quand. Ah, il n'y a pas de rose vif. Bah, après, tout simplement, on peut aller dans classique et mettre un rose vif. Ah ouais, ça fait pas trop en fait. Non, ça fait pas trop. J'ai envie de laisser l'ancienne couleur que j'avais mis dans. Ah mais non, c'est du noir en fait. J'avais cru que c'était l'ancienne couleur que j'avais mis dans l'autre vidéo. Alors moi, je veux mettre. Je vous aurais conseillé du bleu foncé car ça fait stylé. Voilà. Après, sinon, ce que vous pouvez faire, même, c'est carrément acheter du chrome, mais je sais pas, je trouve ça un peu moche. Voilà. Bon, moi, après, je vous conseille plein de choses, mais après, c'est vous qui gérez ce que vous mettez sur votre voiture. Bon, moi, je vais mettre. Je vais laisser comme ça. Après, on s'embrouille pas. Alors, après, on va dans les. Dans les roues, couleur de jante. Du coup, là, on va mettre un rose vif. Ça tourne un peu sur la couleur de la voiture. C'est un peu classe. Voilà. J'espère que cette couleur, vous la trouvez assez belle. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors avant de quitter la vidéo et ce qu'il dit, je vais vite fait la mettre la voiture à cet endroit pour bien vous voyez comment ça fait. Ça fait assez classe dans le noir parce qu'en fait on dirait que la voiture elle est. Enfin je sais pas. Vu qu'à la lumière, ça rend super bien. C'est pas français mais bon. Voilà. Bon.
Je vous dis ciao ciao, on se revoit dans l'autre vidéo pour couleur secrète.